Tiens, tu veux voir Alexandre Assis êtes... Regarde, il m'a fait penser à toi, c'est juste pour ça que je... Ah ouais, c'est grave, mais excuse moi je, je fixe l'énergie de comme fou. ça. Attends, moi. attends, je me mets dans l'énergie. Attends, ce mon énergie, là. C'est pas faux. Tout On l'a compris, oui, vous fou. êtes comment par rapport à leur scolarité Vous les suivez comment Dès qu'ils en ont plein le dos, je les enlève. Je leur paye des cours à la maison, euh, ou ils font une école un peu parallèle, comme ils veulent, où, euh ou je suis réglo Attention, j'ai eu des inspections de l'académie mais qui n'a jamais rien trouvé à redire d'ailleurs et qui tout va bien hein. Mais dès que je sens Quand tu es un peu un bourgeintello et que tu peux te permettre de libérer tes gosses de l'école, faut le faire. Après c'est vraiment un privilège de pouvoir le faire mais il a raison. mais bon. Dès que je sens qu'il y a un truc où apprendre ça devient un truc euh pige plus pourquoi en plus ils font les choses. Moi j'ai ma fille Jeanne qui est ma première qui a 21 ans aujourd'hui, 22 voilà, premier, premier jour de CP. à ah, 22 ans, premier jour de CP, bah dis-donc, elle est pas très intello, hein imagine. Bah c'est <laughs> ça d'étudier à la maison 22 ans de rentrer au CP <rire> <rire> Après gros, là où la vérité, le problème c'est que lui je pense que ça va parce que c'est mais moi j'ai déjà vu des enfants de gauchistes, anti-école, travelers, avec, euh, tu sais où c'est, euh, dans une caravane fleurie, peinte en rouge avec des petites fleurs blanches là, qui trimballe le gosse en lui faisant des cours euh, dans le camtar, euh, machin désolé de le dire, moi j'ai vu le gosse, il avait 12 ans, il était con le gosse. <laughs> ça se voyait qu'il était con, ça l'a rendu con, mais vraiment... Après, est il est tous il les était... gosses de 12 ans sont pas un peu teubés Non, 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 lui, il était plus con qu'un gosse normal. Ouais, c'est peut-être lui, je spécifiquement, on sait je pas. Genre, ça, non, 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 je pense que il a été rendu débile. Mais tu vois, genre, tu sais, tu sens que... Une, une, une incompréhension des choses, quoi. Genre, ouais. et surtout, le gosse... Il va arriver dans le monde réel, frère. Il a passé sa vie avec des travelers soukés. Qu'est-ce qui lui arrive après dans un camtar gros C'est comment tu fais bah, pour y après arriver qui parle dans la de société ça, qui était pas mal là. Comment il s'appelle, Captain quelque chose là Comment oui, il s'appelle Captain, hein, Captain Fantastic. Voilà, merci. Captain Fantastic. Oui. Et ça parle de ça. C'est ouais, ça qui parle un peu de ça, le film. En gros, le film pour euh, ceux qui veulent le voir, il est pas mal. C'est euh, des espèces d'ultra de, deux parents, ultra marxistes, anarchistes, bizarres là. Oui, décide... fan de Noam Chomsky. Et voilà, du... qui décide de, de se couper de la société et de, de faire. Grand Grandir leur, leur gosse dans la nature en leur apprenant la chasse et tout machin. Et leur gosses, ils arrivent à l'adolescence et pour une raison ils vont devoir aller en ville et en fait bah, du coup il y a tout le décalage d'avoir grandi comme ça et d'avoir voulu être préservé du monde par leurs parents mais de quand même du coup vouloir découvrir le monde et ses limites et le film est super intéressant c'est un film de gauchiste en plus mais ah, il est trop bien le film le film est grave intéressant parce qu'il parle de ça quoi. à quel point tu peux te sortir ou pas de la société et les limites du truc il est assez touchant il est assez c'est un assez docu non, non du coup ouais, non, 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 oui experts. si c'est un docu il <laughs> y a des acteurs, non, a des acteurs, des acteurs dedans. désolé il y a de la mise en scène le Donc, matin bref. je l'emmène j'ai dit tu vas apprendre à lire quand même mm. c'est cool tu vois tu vas apprendre à lire euh, toi on a un peu appris tout ça mais tu, tu, vas, tu vas pouvoir lire des trucs et tout ça le soir elle revient elle dit euh, papa il euh, faut que je fasse mes devoirs sinon je vais me faire gronder c'est nul c'est lamentable, c'est minable. Aujourd'hui, vous d'accord. On y a je raison. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand hein. il a avachie, il, est, il est moins con que d'habitude. Ah a... ouais, qui s'avachisse plus souvent. Que les gens s'avachissent. Bon alors. Est-ce qu'on écoute ça J'ai trop envie frère. C'est pas bien, on change. Ah ouais, ouais, souvent. ouais, ouais. Moi je suis sûr ça va être incroyable. Mais le fait ça, en ça, fait, du coup, en gros, tu... C'est la vie des profs de notre chat. Non mais on sait pas c'est quoi la vidéo. Mais en fait, je vous explique, derrière, c'est quelqu'un nous l'a envoyé. En disant, regardez ça, point. Et en fait, c'est ça que j'adore. C'est vraiment notre chat Oui, je sens sa haine. Qui a oui, envie oui. de... de... <laughs> oui, 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 Madame vieux mots c'est comme ça que... vieux mots Mais déjà, t'es vos... prof, tu t'appelles Madame vieux mots Non, c'est comme ça, ça que la les merde. élèves l'appellent. Euh, les élèves vous ont surnommé... Euh... Ah c'est là que tu vois que les gamins sont quand même plus créatifs que les profs. Oui, hein. c'est vrai, ils ont été poétiques Eh hey, madame, mignon. vieux mot <laughs> Vieux mot Eh hey C'est vrai que les gamins, ils parlent comme Iliès hey Très moufette hein. hey ah, Eh Vous êtes professeur de français, de latin et de grec, et vous publiez donc ce livre, Wesh ouais, madame, que j'ai... Oh, oh, la, oh, la, oh la, putain oh, la, de merde, je m'attends au pire Wesh madame, hey, madame Wesh madame, wesh ah bah c'est <laughs> sûr que du latin à wesh, il y a eu quand même un peu d'évolution de la langue, oui. Euh, journal de bord des six années que vous avez passées dans un collège du Val-de-Marne, co collège de réseau d'éducation prioritaire, les REP. Ah oui, c'était la ZEP de mon temps. Euh, on rit beaucoup, on pleure un peu, et alors surtout, on apprend plein plein de choses sur ce qui cloche aujourd'hui à l'école. Attends, du... attends, ça se trouve, ça le mec me l'a envoyé basée. en mode elle est basée de fou. Hein. Attendez les gens, préjugez pré pas, hein. préjugez pré pré pas, pré pas, ça se trouve, elle est cool. Hein. Wesh madame, vous écrivez, c'est ainsi que tout a commencé, c'est comme ça que ça a commencé vraiment Oui, réellement, Oh je suis arrivé Les oh, Ils si il il y il y il ont regardé, ils m'ont dit wesh Ces jeunes Arabes qui m'ont dit wesh <laughs> ah, ah. Euh, euh. Très bizarre. Et après une semaine, on hein, m'a ah, carrément dit salam. Alors là, je me suis dit, ah oui, il doit y en avoir des, des un peu plus radicaux que les autres. Quoi Mais, pas assis, Mais frère, non, je rigole. Mais on peut rigoler ou pas Mais pourquoi elle nous voit Qu'est-ce que c'est que cette créature qui nous vous voit Et ce qui est ironique avec ce titre, c'est que j'ai littéralement passé six années euh, à, les, à les harceler sur l'importance du mot juste, de la, de la diversité de la langue française. Harceler bah, oh, la tête, au secours En six ans, Ça, de ah, dire ouais, le truc du vouvoiement, et ça, c'était le truc des profs comme As de moi, moi, je vous vois aussi. Donc, Genre, ça crée de l'égalité alors que ça crée juste du malaise. <laughs> Genre, c'est vraiment, ça ne marche pas. Quoi. Ah ouais. Que je leur ai interdit pendant six ans de dire wesh, mais comme de dire tout un tas d'autres mots qui étaient euh, devenus des tics verbaux pour eux et qui les empêchaient d'accéder à une forme de pensée beaucoup plus nuancée et Bon, c'est bon, on peut se moquer d'elle. <laughs> ah, ça gros. y est. Dans sa tête, la théorie. Au coin. Et si tu si tu parles en ayant des mots que tu répètes tout le temps, ça empêche ta pensée d'être nuancée. Ah bah, elle a pas vu Dani Rase, qui sont globalement ah. les, parmi les personnalités ah, ouais, de et France les plus ah, oui. nuancées, intelligentes, cultivées. Euh, soient, petit café, les amis. Et qui sont dans <laughs> nous, on a un rapport autiste. Euh, au petit café, les amis. <laughs> Surtout que même Wesh, tu vois, il y a tellement de Wesh possible. Tout même wesh tu vois, il y a tellement de wesh possible. T'as le Wesh... genre en mode wesh, ça va, et t'as le wesh! <laughs> C'est une surprise! T'en as Danny des wesh! Explique, euh, tu as Danny des nuances de wesh! Le, le mot. Ah oui? Bah, c'est beau, c'est ça la langue. Mais on, on ne pense plus avec Parce le mot juste. En vous voyant les gens, on a une pensée plus affirmée. Euh, Moi, je veux y... savoir les punitions. Ça, ça, fait, en fait, fait, c'est quand même la bourgeoisie qui a besoin de se justifier, de s'auto-justifier, euh, d'avoir été autoritaire avec ses gosses. Alors que c'est oui. juste leurs codes sociaux qui reproduisent. Et ils ont l'impression que c'est de la supériorité intellectuelle. Donc à chaque fois qu'il y avait un wesh, euh, oh, tu tu vois, vois, c'était 50 100 ligne. Alors, sans ligne, c'est s'ils avaient fait exprès de ne pas, de, de pas faire leur punition, mais j'essayais à chaque fois de prendre une phrase un peu humoristique, contenant des mots qui ne connaissaient pas, pour leur permettre, à force de l'écrire, de mémoriser. Ces mots-là, nouveaux pour eux. Donc et attends, donc donc. donc tu les a punis. Elle fait, elle fait, la meuf genre qui est ultra en avance sur l'éducation et globalement elle vous voit ses élèves, elle les empêche de parler euh, wesh et ouais, elle, elle leur fait, fait faire des lignes. Des lignes. Quelle révolution d'éducation Je pense n'avait jamais vu ça. Dastier qu'on a vu juste avant, c'est parfait. Parce ah ouais, c'est vraiment fond, ça l'école, le truc de Golemon, frère où on te ah force ouais. à, on te force à des, des la punition d'apprendre comme ça sous la contrainte. Qu'est-ce que ça t'apprend vraiment? On découvre à quel point euh, bah, ces enfants, qui sont donc des, des collégiens, euh, ont un. Je trouve qu'ailleurs, qu ils, qu ils sont des attardés. Ils <laughs> <laughs> sont de, des attardés. De ils ont des lacunes de vocabulaire. Ah oh, putain. Ils sont stupides. C'est pas vous qui avez des lacunes. On vous dit ah, quoi couper, vous, vous, ah, vous savez pas ce que ça veut dire. Oui, ils ah, comprennent rien, ils sont là. Euh, basé, ça veut dire quoi? Oui, non, ça par contre, non, on les que voit, les profs. les profs sur YouTube qui nous regardent être là. Eux, ça veut dire quoi, basé? Eux, j'ai pas tous vos mots. Eh ben voilà, après, vous avez après, des lacunes de basé, vocabulaire. Bah, après basé, il y a que nous qui disons. Non bah, genre, attends, mais attends, oui. attends. Ba basé, c'est facile à comprendre en plus. Basé, c'est basé, facile. Je trouve ça un des plus faciles. Tu vois, après c'est vrai qu'on est en mode bidi toilette, un <laughs> ah, bagnon. Je peux <laughs> comprendre qu'ils sont un peu perdus. Le petit café les amis. Le petit café les amis. Il y en Le y a un petit café dit, les amis. Euh, je veux pas faire du latin. Rome, c'est trop la honte. Ça fait, ça a fait les roumains. C'est de la merde les roumains, les roms. C'est assez stupéfiant. <laughs> Comment? Euh... Ah, il a tout wifi. <laughs> ouais. hey, je veux pas faire de latin. C'est les roumains. C'est nul les roms. Les <laughs> il a rien compris. <laughs> tu disais 12 ans, t'es con. En dehors de l'école, bah putain. Ah ouais, non mais, non, mais en fait, c'est pareil à l'école, les gamins sont complètement teubés. Ah, le raccourci Mario Kart, hein. il est. Il est fabuleux, ah, les frères. Roumains, il a dit Ah ouais, l'Empire gréco roumain <laughs> On n'est pas aidé, non, mais les profs, ça y est, je vous comprends. Ah oui, ça y est, les ça y est, est. Je reviens, je, je reviens en empathie <laughs> le, le Roumain, roumain est qui... une langue latine, il a raison de baiser, non, mais ça y est. Non, mais oui, non, mais sauf que là, vous comprenez bien que c'est pas les Roumains. Il a confondu les Romains. Il a confondu Rome et les Roumains. Oui. Oh, t'imagines la série de paco La série de pas Quoi comment elle serait différente ah L'Empire ouais. n'a jamais pris fin. Les Roumains. <laughs> les oh, Roumains... C'est borderline un peu, les missions. Ils sont dans de... nos esprits. Bah, <laughs> Peut-être qu'ils pensent à ça <laughs> depuis le début. L'Empire Roumain. T'imagines, <laughs> en fait, c'est ça, il est anti-Roumain depuis le début. Là. Regardez la tête de YouTube, Cyprien Yov. <laughs> genre... Regardez, ils sont parmi vous, partout. Hein le non, vous ne voulez pas, pas voir la vérité les élites roumaines euh, On enseigne le français, alors j'allais encore pire, le latin et le grec, à, à, à des enfants qui ne maîtrisent même pas euh, le basique de notre langue, finalement. Alors, oh. c'est, il est clair, je, je... Le basique de notre langue Le basique, ils ne savent à peine parler, en fait paraphraserait euh, Cyrano qui disait que c'est bien plus beau lorsque c'est difficile. Mm. Il est clair quoi que quand on arrive, oh, on peut avoir un petit pour choc Pourquoi C'est oui. bien plus beau parce que c'est difficile, mais... Qu'est-ce qu'elle raconte, elle quelle... quelle est la réalité Mais alors, attends, du coup, ces de élèves ont mieux si c'est dur. Bah Peut-être ces élèves ont une vie plus difficile qu'elle, quoi. Ah ouais, du coup ça leur vient mieux, ah. ça c'est sûr. Oui, c'est bien plus beau petit... lorsque c'est inutile, il dit. Ah en plus elle a mal cité. Ah, ah ouais. les... elle a mal cité Cyrano. Ah oui là nos, 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 nos intellos, elle là. Bien vu. En bah plus alors, elle alors, même pas coup... le cité. Surtout que c'est bien plus beau quand c'est inutile. C'est déjà une phrase beaucoup plus jolie. Bah, du coup dire wesh ouais, » trois fois dans la même phrase. C'est -ce un, vraiment... un peu inutile. Donc c'est vraiment beau. Merci Cyrano. Cyrano oh, de Weshburak. Cyrano Wesh <laughs> la de Weshburak. Il est clair que quand on arrive, on peut avoir un petit choc thermique, vous voyez, parce que vous avez un, un niveau de concours. Un petit choc thermique. Elle est contente de placer des mots compliqués. Un concours qui, malgré tout, est très élevé, des programmes qui sont très ambitieux, et puis vous vous retrouvez face à une classe où vous passez une heure à expliquer la différence entre une nature, ce qui est un, nature, un mot, et la fonction, à quoi il sert. Donc pour ça, il faut s'adapter. Ça, ça, je comprends ce... rien, moi, déjà. <laughs> <laughs> j'ai pas compris son explication! Ça étant dit. Un mot, c'est un mot? Ah voilà, j'adore, j'adore, c'est parfait. Le niveau était très hétérogène. Ça, hétérogène, tu connais hétéro. Hein. Ça, je Ça, comprends hétérogène. Les le hétéro, hétéros, connais. ils sont gênants, j'ai compris ce qu'elle a dit. <laughs> <laughs> Hétéro-cringe. Dans la même classe, je pouvais avoir euh, Hermione Granger euh, assise à côté de Dark Vador, vous voyez. Hein Waouh Alors, wow. voilà, bah dis donc, c'est quoi ces références culturelles au rabais Ouais, ouais, Dark hmm. Vador. Hein. Cyrano de Psartek, ne disait-il pas <laughs> Cyrano de Psartek, qu'est-ce Quand qu les seuls <laughs> films que tu connais, c'est Marvel <rire> Avengers, ne <laughs> suis-tu pas un peu con hmm à méditer En matière de. <laughs> de comportement de... Ça les fait rire ça. et <laughs> 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 Dark Vador, il y avait la bonne élève, et à côté de lui Dark Vador. Elle a eu un ou deux wesh wesh, et elle en a fait toute sa personnalité. Euh, euh, couleur de peau des élèves J'ai envie de faire les droïtsards en mode qui bah, est l'ami origine, origine Origine de Dark Vador de, Origine de Est-ce on... que ça serait pas Karim Vador par hasard <laughs> ça, Non, on peut faire la version de gauche du truc des droitards <laughs> Origine d'Hermione Granger par rapport à l'origine Dark vador Non, juste pour savoir. <laughs> on l'a tous en tête, hein On sait tous d'avance. <laughs> mmh. Donc finalement, on pouvait quand même toujours s'appuyer sur des élèves qui étaient moteurs, qui avaient une bonne maîtrise de la Attends, attends, attends. La nature d'un mot, si c'est un nom commun, déterminant, adjectif, la fonction, c'est si c'est un sujet, un complément, etc. J'ai rien compris. Déjà, il faudrait que ce soit ce <laughs> que c'est, un déterminant, oh, un complément. Un... Le gars, il fait... vous avez vu ça, c'est son problème. C'est comme le fait qu'il a une webcam alors qu'on a acheté deux caméras. C'est son désir de vouloir. En fait, c'est ton côté le plus bobo maintenant. C'est ton côté genre faussement bohème. Le mec fait des tunnels politiques insupportables toute l'année. Après, oh, gros, oh, j'ai pas géant. compris. Pour moi. Un mot, c'est un mot. Okay. Et déterminant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, là, oui. non, par contre, gros, attends, 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 En sortant de, gender... de la vanne. <laughs> en sortant de la vanne, déterminant. Je te jure, que je ne sais pas ce que c'est. Premier coup. degré, je ne sais pas ce que c'est. un Déterminant. Ouais, T'es vraiment con. Hein. Mais je te jure que je ne sais pas ce que c'est. Nature. Allez, il y a le c'était du mot. Ah. Regarde, regarde, là, tu vas comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec les trucs, c'est les trucs des COI. Nature identité du mot, adjectif non, fonction, ce qu'il fait dans la phrase. T'as compris? Nature, identité du mot. Genre, est-ce que le mot c'est un adjectif, un qualificatif, oui, oui, tu oui, vois? Oui, oui, oui. Et la okay, fonction, okay, ce qui va compris. à quoi il va servir dans la phrase? Oui, oui. mais déjà des fois les adjectifs, j'ai des doutes. Je sais jamais si c'est un adjectif ou pas. Ouais, Et pour ouais, moi, un adjectif, ouais. genre, c'est un truc qui décrit. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de comprendre ces règles stupides pour parler. Hein. Bah oui, j'ai désolé. Mais genre moi, le truc de, de complément d'objet direct, ça, j'ai toujours pas compris le concept de ma vie. Pourtant, à la fin, et c'est j'ai arrêté la fac à cause de à cause de la linguistique et de la grammaire appliquée, je me suis barré à cause de ça, hein. insupportable. Hein. Après moi aussi j'avais du mal alors avec, que, ça, alors alors que avec je, ça Alors que je vous baisais tous euh, dans l'analyse hein. Mais surtout moi On en fait, ouais. fallait parler de ce que raconte un bouquin là Par contre vous aviez plus rien je à dire Toi t'es mauvais en dictée toi Ah, ah ouais mais gros Mais, mais tu vois genre moi tout ce qui est les trucs Genre les trucs de grammaire, les règles grammaticales et tout Je suis incapable de les expliquer Par contre j'ai toujours été une brute en dictée Donc c'est là que tu vois aussi que le cerveau Peut comprendre des trucs T'as acquis les trucs sans même y réfléchir quoi Bah oui En vrai gros j'ai jamais trop réfléchi à ces choses là Et j'ai jamais eu une orthographe catastrophique par exemple tu vois alors j'ai toujours su m'en sortir mais c'est un peu genre euh, comme ça tu te rends pas trop compte quoi mais je pense que c'est le truc de bah, quand tu lis et que tu parles globalement tu apprends le truc et par contre les règles je serais incapable de t'expliquer précisément comme un prof de français quoi mais en fait non mais en fait surtout moi les règles là, en sortant du troll te c'est juste que j'ai refusé de les apprendre genre je je pourrais genre c'est pas le concept mais que je comprends pas c'est juste que j'ai jamais appris des trucs et j'ai toujours il y a un truc en moi qui a toujours refusé de m'y intéresser quoi vraiment genre j'ai toujours bah oui. genre par contre lire un bouquin de 800 page et me prendre la tête, oui, mais alors ça, d'être en mode de comprendre, genre, je refuse bah et cette puis tu peux... euh, du truc, quoi. Et puis c'est ça, en fait, qui est entre guillemets beau avec la littérature et la langue, c'est que, genre, tu peux avoir du mal avec les cours de français et quand même être capable d'écrire de la poésie, là où ton prof de français peut tout expliquer ouais. sur la syntaxe, mais être incapable d'écrire un truc un peu touchant, quoi. Après, donc, les euh... gens que ça fait bander qui kiffent ce truc-là de grammaire analytique, ouais, bah je, je comprends, je comprends le ça vous, je comprends, quoi, mais, mais comprends après c'est un dièse, aussi, quoi. quoi. Mais bref. Et c'est Six années auront été, écrivez-vous, les plus fécondes, les plus riches, les plus fortes de ma carrière de professeur, les plus difficiles aussi, car j'ai été confrontée à des situations que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. C'est quoi ces situations Alors, ça peut être euh, des situations familiales qui sont extrêmement euh, douloureuses ou des élèves. On a vraiment l'impression que on ne va pas pouvoir les aider. Peut-être Le que l'école est mal faite. On, on... Oh, ça c'est vraiment gros les mais... profs gros. Mais surtout les profs, tu vois, pour moi elle décrit toute la toxicité d'un prof, c'est qu'elle a dit la phrase il y a des élèves, tu sais très vite que tu ne pourras pas les aider. Mais c'est comme ça qu'ils font des tri dans leur classe, c'est comme ça aussi qu'ils créent une hiérarchie dans leur classe. C'est qu'il y a des élèves qu'ils accompagnent, des élèves qui laissent tomber, des élèves avec qui ils font des efforts. Enfin, genre, c'est. Genre, après, voilà quoi. Après, c'est humain. Non, mais mais... En... Et puis bon, surtout, bon, ils voient la face, quoi. Le truc de complexe du sauveur, ça veut tout dire aussi. Genre, individuellement, tu peux rien par rapport au système euh, qu'est l'école. Et c'est ça, en fait, que tu dois. Et je pense que ça a beaucoup, notamment les profs de gauche qui nous écoutent. c'est tu sais, en plus, c'est violent, c'est dur, je pense. Quand t'as conscience de ça. Que, putain, il y, y, y a des gens qui sont laissés sur le côté direct parce que c'est une reproduction sociale. À avant d'être quelque chose de méritocratique. Mais ce qui est fou, c'est du coup de voir des profs parler des capacités intellectuelles des élèves et être incapable de penser cette question-là. Et malheureusement, bah, euh, en termes d'image, je dirais que le, le, le professeur évide le sein avec une petite cuillère. Vous avez un sentiment Il est à la fois. Euh, vous dites flic, euh, assistante sociale. On est sociale, flic, alors. on est psy, on est. Ah, on est flic. Alors 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 Même elle, elle le dit. Ah 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 le chat en sort, là. Ah ouais, on va encore avoir un frais demain. Dani, Dani, ah, je les aime bien ils sont basés quand ils parlent de choses qu'ils maîtrisent mais alors dès qu'ils parlent quand il profs, parle de profs c'est un problème quand ils parlent du véganisme c'est une catastrophe <laughs> oui, c'est vraiment les deux sujets vous, vous avez dit ça essayer de... de gérer 30 enfants ah mais par contre sans aucun doute Et on a combien, avec 30 là, gamins dans des cours de merde qui sont obligés d'être enfermés dans une pièce de 8h à 17h que tu fasses juste de la gestion humaine flic d'autorité j'en suis persuadé mais à un moment donné bah faut se battre pour fonctionner le diaz autrement quoi Et puis là, Genre, mais ça c'est ça c'est évident que c'est ingérable vous voulez notre secret 4500 on les force pas à faire des devoirs ils peuvent partir s'ils veulent ils restent 4 heures hein. et on leur autorise à jouer à Black Meat Wukong à côté hein. voilà, ça. <laughs> du coup là y en a qui d'ailleurs là mettez pause dans vos jeux dans vos hauts-tous-hauts, là et venez nous dire sur quel jeu vous êtes en train ah, de jouer ouais. actuellement là on va avoir une, une, une armée du chat qui va débarquer. les abuseurs préservateurs Balatro sur TFT, là. en légende oh, minecraft valorant elden ring oh, regarde 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 voilà vous voyez on peut jouer aux jeux vidéo tout en moi, tu sais que oui, les. après, peurs... on... après, mais... après, après là, en dehors de la blague, la différence, c'est que non, mais on ne fait que... pas des cours, quoi. Non, mais tu sais que. On pas... n'est pas là à apprendre des trucs chiants que oui, tu es non, mais obligé d'apprendre, Non, mais je rigole. Mais oui. mais non, bla... parce qu'il y a des gens qui vont le prendre premier degré, Par je pense. Blague, la... blague à part, euh, moi, à chaque fois que c'est qu'il y a un jeu de, de farm, en mode c'est un Diablo, un truc, ce que ouais. j'adore avec ces jeux-là, c'est que c'est toujours des moments où je me cultive énormément. Ah, mais parce en Parce fait, au bout d'un moment, les objectifs dans le jeu, c'est tellement du farming, tellement de la répétition. Oui, oui, oui. Que oui. tu te mettais là, tu dis Ah, oh, j'ai découvert cette chaîne qui parle d'histoire. Allez, c'est parti. Et t'es oui, là, fou, et tu fou, tapes fou. des vidéos de 15 heures où t'écoutes oui, que oui, des oui. trucs, t'apprends des milliers de trucs. Et après, t'es là, bon, bah j'ai joué pour rien, j'ai eu mon objet légendaire doré, mais au final, tu, tu finis avec une culture solide sur un truc. C'est vraiment ouais, précis. Aborder la constante macabre. Ah oui, la constante macabre, c'est quand on a voulu faire de l'éducation populaire et qu'on s'est retrouvé avec que des profs dans le public. C'est ça, non Ah merde, je crois que j'ai un peu. La constante macabre, c'est quand. Ouais, c'est ça. C'est quand Franck Lepage, il s'est dit je vais... je vais faire de la vraie éducation populaire. Et au final, il a parlé aux mêmes qui parlaient avant, mais ils étaient plus de gauche que les autres. Mais ça restait des petits bourges qui bossaient dans l'éducation euh, ou, dans, ou dans, le, dans le social, genre. Ouais. Non, en vrai, la constante macabre, c'est un truc intéressant, par contre, pour de vrai. En gros, la constante macabre, ils ont pris, les, ils ont pris une classe. Après, en apparemment, il y a trois pas classes. mal de gens qui auront mis le truc en cause. Oui. Apparemment, c'est pas si simple, mais il y a, y a ce phénomène là Non, quand mais c'est quand même fascinant à expliquer. En gros, ils, ils prennent trois classes et dans chaque classe, ils se sont rendus compte qu'il y a un tiers de teubé, un tiers de moyen, un tiers de très doué. Jusque-là, ça paraît gros... logique un tiers de rase, un tiers de dany, un tiers de cassandre. Voilà. Et en fait, ils se sont dit bah on va prendre tous les cassandres, on va faire une classe de cassandre, voilà. on va prendre tous les rases, on va faire une classe de rase, on va prendre tous les dany, on va faire une classe de dany et ils se sont rendu compte que la constante Macabre revenait. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois vu que tu as le système de notation, que tu as comment l'élève il se perçoit vis-à-vis -vis de ses notes, comment il pense qu'il est bon ou qu'il est pas bon, ça a une influence du coup sur comment il travaille. C'est pas forcément scientifiquement hyper accurate, mais ça a dit quand même quelque chose, c'est que c'est évident que ces choses-là ont de l'influence sur. Comment et c'est pondéré les sur selon les filières, les milieux, la classe sociale. Enfin, en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent changer du tout au tout l'étude, mais elle dit quand même une forme de réalité. De... En tout cas, par exemple, ce qui est évident, c'est que les profs recréent toujours de la hiérarchie et que un prof considère souvent de base qu'il y aura des nuls dans sa classe, des très bons et des moyens. Et même s'ils n'existaient pas, ils finiraient un peu par les créer. Et, et pas que. Bah, au que moins. Au moins quelques ans. Elle est intériorisée. C'est-à-dire que quand ça. tu tapes plusieurs fois. Cette en maths, ça me paraît impossible. En maths, c'est l'une des matières où il y a le plus de différences de notation. Oui, mais entre pas les que. Non, et pas entre que. Des des profs, que justement, il y a cette intériorisation. Si par exemple, tu te prends plusieurs fois 5 sur 20 dans une matière, tu vas dire je suis nul. Donc, je suis nul dans cette matière. Donc, en général, qu'est-ce que vous faites Je pense que tous ceux qui ont été mauvais en maths ou en français ou peu importe, bah, tu te dis, tu travailles moins. Tu te dis que c'est pas ton truc, tu n'y arrives pas, que ça ne t'intéresse pas, tu t'y intéresses pas, tu te pas, passionnes pas, tu te cultives pas autour du sujet. Alors, alors que par exemple, à un moment où tu as une bonne note dans une matière, tu vas dire ⁇ Ah bah ça c'est plus pour moi et tu vas plus facilement te passionner ⁇ Donc il y a aussi le côté ⁇ Attends, attends, juste du coup, une gaz -like. Vite fait, les gens, les, les maths, vous dites les maths, la notation, elle est stable, c'est faux. Les gens en, en maths... Il y a énormément de disparités entre plusieurs profs avec une même copie. Les gens, genre, ça a été turbo prouvé. Genre, non, rase, non, non. C'est, attendez, attendez. Je suis prof de maths, Raz a raison. Non, mais les, les maths gens, ça Genre, ça a, ça a été je suis prof turbo de maths, prouvé. C'est pas pour dire que les maths, ça n'a pas de sens. que... Ma... Mais bah les il y a gens... moins de variabilité que le français, c'est évident. As bah... plus de non, mais tu as plus de variabilité, je pense, dans des matières comme ça que tu vas en avoir dans les maths. Mais c'est pas pour autant que ce qu'on dit est faux, mais que par exemple les, si tu te non considères mais... très jeune, tu as un mauvais prof de maths quand tu es jeune et tu considères que tu es mauvais en maths, tout ce que j'ai dit, tu vas moins t'intéresser, tu vas moins te passionner pour ça, tu vas te en plus en France, non on mais... a tendance avec le système scolaire à se dire on va se spécialiser et du coup tu peux te dire bon bah j'ai un profil plutôt littéraire, les maths c'est pas fait pour moi. Mais en plus ça veut rien dire parce que par exemple, il y a plein de cas dans la littérature, dans la philosophie où par exemple, tu vas faire appel à la logique, il y a plein de choses qui pourraient qui pourraient dire qu'en fait, tu pourrais être assez bon en ça. Combien de gens se sont découverts des passions dans des matières dans lesquelles ils étaient mauvais plus tard dans leur vie d'adulte et se sont retrouvés à être finalement moins mauvais qu'ils le pensaient. C'est ça qu'il faut interroger, c'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais c'est 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 ça que ça apprend moi. Je trouvais que et qu'il faut qu'il qu faut réfléchir quoi. Et je pense que moi dans mon parcours scolaire ça m'est déjà arrivé. J'ai me disais je suis nul dans une matière à un moment donné. J'ai eu un prof un peu plus sympa. J'ai eu des meilleures notes parce qu'il me motivait. Et Au final je me disais bah bon, en fait je suis pas mauvais dans cette matière. Il y a aussi je un système de genre... croyance quoi. Genre même Genre même les profs, genre, genre la notation, il y a, y a eu des études sociologiques sur le sujet où... Si le prof corrige une copie euh, au, au début de sa session de correction et à la fin, ça, fait, ça peut faire varier les notes rien que l'humeur du prof et même en maths, quand il corrige, peut faire varier la note les gens. Genre, genre les, les, les systèmes de notation, ils sont en train de changer d'ailleurs. Mais genre vraiment, genre les gens, il y a, y a un vrai, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce sujet-là, sur la question de la notation à l'école. Moi, je ne suis pas pour dire faut plus de notes. Je suis pas en mode gauchiste radical de faut plus de notes, faut plus du machin. Mais de croire que les maths c'est objectif. Et qu'il n'y a aucune variabilité dans, entre les notes alors qu'il y en a en philo, c'est faux, c'est équivalent, ça marche bah à surtout peu près que pareil. la notation, le problème aussi, c'est que tout le monde a son barème. Genre, déjà une notation, c'est-à-dire que tu as un barème qui est plus ou moins objectif et en plus tu as une subjectivité vis-à-vis -vis de ce barème. Personne ne note pareil, je pense que vous le voyez. D'ailleurs, on a tous noté des trucs dans notre vie, même si c'est pour noter des films sur un site web, par exemple. Euh, on se rend bien compte qu'on applique des critères aussi subjectifs. Par exemple, as des profs pour qui le 20 sur 20 n'est jamais possible, d'autres profs pour qui le 20 sur 20 est atteignable plus ou moins facilement. Rien que ça, ça change énormément. Vous voyez bien que Gamecult et jeuxvideo.com, ils notent pas de la même façon. On sait que Gamecult est plus sévère et que jeuxvideo.com, ils sont plus laxistes. Ils il parlent pas de ça. Non, parle mais eux, eux, dans leur tête, comme c'est les maths, il y a bon ou mauvais. Ils sont vraiment con. Oui oui oui. C'est pour les teubés qui jouent aux jeux vidéo là pour qu'ils suivent. Comprenez pas trop là, ils font ah oui là je l'ai là, là. Un prof de maths ici, la notation qu'on donne dépend aussi de l'idée qu'on se fait de l'éducation. Il y a des profs hyper rigoureux et d'autres qui donnent une valeur à autre chose que le bon résultat. Ah oui. Rien que ça déjà. Puis bon, en plus, il y a oh, mais... maths et maths. Il y a les maths au collège, les maths à la fac. C'est pas la même chose. Enfin bref. Bon, de toute oh, façon, mais... on s'en fout de ça. En Ce plus... qui est intéressant, c'est de comprendre comment, tu peux, comment ça peut se retrouver et c'est quoi les, les, les choses qui sortent de la notation pure et à quel point ça peut être idéaliste de croire qu'il y a une note parfaite et qu'on peut avoir un barème parfait et qu'on peut du coup noter oui. les gens parfaitement. Et que pire que ça, on va les juger socialement jusqu'au bout de leur vie sur leur capacité. Leur statut social va dépendre des notes qu'ils ont. Surtout quand on sait qu'il y a la reproduction sociale à l'œuvre et que de toute façon, si t'es si dans un collège du 93, c'est pas la même chose que de, de te retrouver à Henri IV. C'est pour ça et t'as même justement le, le page de son argument de gauchiste anti-école c'est de dire que carrément lui, genre les profs devraient pas noter eux-mêmes des élèves à qui ils ont fait cours, qui devraient pas noter un travail que eux-mêmes ils ont appris, que ça devrait être quelqu'un d'autre et qu'en plus ça devrait être anonyme à chaque fois, que c'est pas normal de noter des élèves que t'as toute l'année et à qui enfin genre genre les, 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 les... En plus, c'est genre la porte d'entrée, le B à bas, de la question euh, de l'école et de la notation. Genre, les trucs qu'on dit, c'est vraiment des poncifs accessibles très vite, quoi. Genre, c'est pour ça que le bac est anonymisé. Bah oui, oui, oui de fou, de fou. Genre, ouais, surtout, euh, mais attends, Et, et même si attends, on faisait attends, ça, ça un... réglerait pas tous les problèmes en plus. il n'y hein, a pas une recette gratuite, finir. quoi. Moi, je pense que les matheux, ils ont besoin d'être rassurés, de se dire qu'ils sont intelligents, alors que bon. Va dans une école d'ingé ou suis des profils de matheux, tu les as déjà vus essayer de parler à une fille, alors là c'est 0 sur 20. C'est bizarre. Hein. Donc l'intelligence émotionnelle, euh, hein Donc laisse les matheux, tout ce qu'ils ont c'est leur 18 sur 20 pour se rassurer sur un truc. Et là ils disent ça, Moi, moins j'y arrive. Mais alors dès qu'il faut réfléchir un petit peu, regarde, ça se voit dans ce chat. Hein. <laughs> aïe aïe aïe. Après je pense, bon par il a du <laughs> Ses frère, je pense. Oui, mais Bonpard, euh, t'as pris le meilleur des matheux frère. Ouais. Il a un cerveau Quel matheux a du succès bah, Plein de matheux. Je pense que les matheux euh, de haut niveau, c'est quand même un peu c'est sexy un peu. Un peu Moi, je trouve pas. Hein. Bah, si, il y a un truc gros cerveau, ça plus sexuel, arrête. Moi, je Vilani. crois que j'ai jamais rencontré un, un matrice sympa de ma vie. Hein. J'ai jamais rencontré. Villani, mais voilà, gros. Moi, je crois que de ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui genre en mode, moi, je suis matheux et qui est une bonne personne. Je crois que ça n'existe pas sur Terre. Mais ça, c'est ta haine Pour des moi matheux vous... parce que t'avais des mauvaises notes en maths. Non, je ça vois aussi. pas le rapport. Bah, si, il y a un rapport. Pour moi, les matheux, vous êtes, des... vous êtes forcément des mauvaises personnes. Frère, t'étais, t'étais en couple avec un science pis. Mais enfin, c'est pas un matheux. insupportable. T'es tout sauf un matheux, frère. Mais justement. Bah oui, mais c'est mon choix. C'est mon goût. Ah Thomas. Vous fait... prenez to... les matheux Thomas et moi, Pesquet. je prends la bourgeoisie culturelle, un Thomas, gros paquet là. Ouais Thomas bah Thomas gros paquet, gros qu'est-ce bah, qu qu'il a Je pense qu'il fait fantasmer plein de gens dans le pays, hein. C'est un gros ah bah, matheux, un gros scientifique, frère. Pas moi. Oh, vrai, même toi, tu parlais du paquet de Thomas à l'époque. Oui, mais son paquet me dis pas que j'ai envie de parler de maths avec lui, quoi. Aurélien Barro, oh, non, ça, y est, ça commence. Ah, voilà. De toute façon, pour moi, les matheux, ils servent à faire le, le live de 18h de La France Insoumise insupportable. Pour leur programme économique et c'est leur utilité. quoi. En fait, les matheux, c'est comme les gomuscus, tu vois. Si t'es que gommuscu et que tu parles que de ça, de d'armes toute la journée, et de protéines et de lipides, t'es un casse-couille. Alors que si t'es gommuscu en plus des autres de choses, ça va. Ouais, c'est vrai, Les matheux, c'est fort. quoi. Les matheux, ils sont que ça. Imagine, t'es que matheux et gommuscu. Oh là là. T'es sardoche. Ah ouais. Tu joues à LOL. Ah ouais. Après, tu regardes Skyheart, il est trop stylé, par exemple. Pourtant, ça Alors voilà, t'as un matheux. Je vais non mais oui, ça y est ça y est j'en ai trouvé un. Après est-ce qu'il est sympa <laughs> Je sais pas ça. <laughs> ça je sais pas. Et puis vous avez aussi les parents qui sont dans l'opposition, qui ont un, un rapport à l'enseignement, qui est un peu un rapport de, vous savez, de consommateur. Mmh. Reviens, explique. Ça. Bah, ça genre en, en mode je pense que ils aiment pas le côté service après vente qu'on les qu'on les qu'on les, qu les darons. Après moi je pense que un truc qui doit être horrible quand t'es prof, c'est parler avec les darons. Soit ils sont délus, soit ils branlent. Genre le gamin c'est un petit connard qui comprend rien, il croit que c'est que c'est le futur le futur et tout des fois ça doit être horrible ah, quoi, moi, les parents d'élèves moi, moi je pense que je serais un parent comme ça moi je serais un parent bah oui mais moi non mais gros moi je pense que si t'es pas oui mais moi je trouve que si t'es pas un parent comme ça t'es un connard ah, oui. mais je reconnais que ça doit être chiant pour les profs après je suis d'accord avec toi que c'est normal d'être comme ça avec ton gosses moi je serais sur cerveau alors. je serais en mode j'utiliserai tout ce que j'ai pour défendre il a fait caca sur votre bureau ouais mais qu'est-ce que vous avez fait hmm pour en vous avez dit quoi avant hein hmm ah oui, je voudrais savoir. Euh, vous disiez, Myriam euh, Meyer, euh, Meyer euh, et vous le dites dans, dans le livre, euh, l'éducation nationale, le système ne, ne va pas bien. Ah donc... Oui, en même temps, s'il passait à autre chose que euh, regarder si euh, les élèves euh, qui qu ont mis un kimono euh, passent les barrières avalaisant. de la laïcité et qu'à Ça... la place, ils réfléchissaient plutôt comment on va faire pour vraiment euh, essayer de les passionner, peut-être que l'école irait mieux. C'est genre de truc, quoi. C'est quoi le truc? Qui manque aujourd'hui à l'éducation nationale? Genre, ah bah, tu sais, vraiment, moi, là, la mort de. Il y a un petit truc, faut trouver le truc. Un de distributeur de cadettes. j'en vois être heureux. Alors, je sais que je vais faire hurler dans les cheminières tout oula. un tas d'auditeurs. L'uniforme. Oula, oula. Mais on a quand elle, elle même l un problème euh, de salaire. L'uniforme. <laughs> Ah, ah ok <laughs> oh Bah Evidemment oh, <laughs> Après Après Cro qui réclame Je veux dire Quand tu travailles Que tu veuilles un meilleur salaire C'est quand même faire quoi Ah ouais Genre, Je vais jamais reprocher à quelqu'un De vouloir être plus payé quoi Elle vous a baisé Bah non mais Mais elle nous a pas baisé Tant mieux pour elle Oh là là Ah ouais 8 mois de vacances frère ah ouais, 9 mois de vacances par an, les Combien profs. Combien vous gagnez Bavé, déjà hein. les profs, là, les, profs là, les profs du chat oh, Ils se font 3000 balles par mois. 3000 balles par, que mois, ça, an oui, non, il... par mois au ah bout d'un an d'ancienneté. 15K par mois. 4500, 5K, 10K, 10K, 15K. Ah ouais. T'as vu, frère Là, on ah dans ouais, tchat où y a un chat qui a pas mal de profs dedans. C'est grave. Hein. Ah ouais c'est une dinguerie de gagner autant. Regarde comme ils sont payés cher frère Là ils écrivent ils du tout, comment ça, mytho Non, mais c'est notre chat, pourquoi ils Non, il non tiré... apparemment les gens par contre, notre ouais. chat de prof ils disent souvent qu'en début de carrière, ils sont au moins à 4000, 3000 euros quoi. Ouais, donc nous on les croit à 100%. Bah ouais, je pense que 3-4K 3, en début de carrière, c'est ce que touchent les profs. Ouais, ce que j'adore, c'est qu'on peut vraiment compter sur des les anciens d'il y a deux ans. <laughs> pour perpétuer des blagues. Bah, 3 cas en début de carrière, ah, c'est réel, les gens, heureux. je crois. Hein. Ça m'en trop heureux. Le euh, de traitement des enseignants français ne fait pas du tout partie des plus élevés euh, des pays. De Mais ils ont élevés. été augmentés. C'est elle... leur truc de se comparer aux Européens. Bah, changer de pays alors Oui, soit profond avec la mobilité des Allemands. Ah ouais ne cassez pas les couilles. Ah ouais. Plus vous avez d'expérience, moins vous allez être récompensé. C'est-à-dire qu'à partir de l'échelon 7 aujourd'hui, ce qui correspond à peu près à 10 ans d'enseignement, mmh. eh bien, vous n'allez plus euh, être augmenté. Un prof, ça gagne combien aujourd'hui À, à l'échelon 7, Il n'y a pas de règles, par exemple. je vous assure. D'un professeur des écoles à un professeur de lycée, en fonction de l'établissement où il se trouve ou du nombre d'heures supérieures qu'il va faire, il euh, n'y a pas de règle, il y a une grille indiciaire qui est extrêmement complexe et qui fait que vous avez des professeurs des écoles qui font un travail monumental, qui vont être payés moins de 2000 euros. Par enfin, exemple la fourchette haute On ah ouais. veut la fourchette haute, maintenant Surtout un prof des écoles, je vais bien croire qu'il taffe, alors qu'une prof de latin, qui fait copier ah ouais, des lignes de aux de élèves qui disent « wesh ». En plus, c'est les bons élèves qui prennent latin, gros La vérité, ceux qui se retrouvent en latin, bah c'est oui, les bons oui, élèves. Ouais. C'est genre, c'est même pas obligatoire. C'est les petits intellos, c'est le mode facile, être prof de latin, c'est la planque. Des du lycée, les professeurs des écoles font une mission extrêmement difficile et ne sont pas du tout valorisés à la hauteur de l'importance de leur travail. Donc, ça veut dire... ouais, combien de gens dans le pays aussi 2000 euros avec 10 mois de vacances dans l'année. Hein. <laughs> C'est terrifiant. Ah genre. Ouais. Dirait... genre en plus gros 2000 euros, rappelle qu'ils ont maximum 8 heures de cours. Quand ils ont 12 heures de cours dans la même semaine, ils se plaignent les profs. Ils hein, ont un temps là là, j'ai un trou d'une heure dans mes 12 heures de travail de la semaine. Gros, ah ouais, ils sont à... Toi aussi, t'as Karim Vador dans ta classe hein Ah ouais Ouais ah, et puis en plus j'ai un trou. Euh... <laughs> Pas La seulement. question de l'autorité, c'est une question dont vous parlez aussi beaucoup dans ce livre. <laughs> oui. vous, les peu, vous, vous, pas... vous les malmenez un peu, vos ah élèves. Vous les malmenez un peu. Vous aimez bien, hein vous aimez bien les molester. Hein oh, ah, c'est égal. Flic, bien sûr. Vous y allez casse, vous leur parlez oui. franco. L'autorité, oui. euh, c'est comme ça que vous les, les tenez. Euh, c'est un mélange. Il faut beaucoup d'autorité, beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que l'autorité... Waouh, wow. l'autorité bienveillante, dis donc après, non mais attends. Non mais moi c'est comme ça que je tiens ma femme, moi... frère. Autorité et bienveillance. <laughs> T'as vu comment ça sonne bizarre Ça non, sonne mais bizarre attends le comme ça. Mais, et mais avec gros, des enfants, mais... ça sonne pas bizarre peut-être. Mais moi j'ai pas envie qu'un prof fasse ce que tu fais à ta femme aux élèves, frère. Désolé hein. Ah ouais, genre, bah désolé, un couple, c'est pas une classe. Bah oui, c'est pas une classe. À un moment donné, nier que faut avoir au moins, genre, je sais pas s'il faut appeler ça de l'autorité, mais tu peux pas faire semblant que quand t'as 20 gosses complètement cons, sous sucre, euh, <laughs> complètement excité après, après, la, après le goûter, t'es obligé à un moment donné bah, nous... d'être un peu, un peu ferme. Et là, quoi, on pas les comprend, les profs, c'est que nous, on est pareil, autorité et bienveillance sur ce stream. Bah oui. Il faut qu'ils sentent que cette autorité s'appuie sur une légitimité et qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière Oula. et que c'est parce que vous voulez leur bien. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de punir, comme ça, à tour de bras, d'être dans Oula. une psychologie du petit chef. Pas euh, du rappel, euh, faire copier des lignes parce ah que ouais, l'élève a dit « wesh ». Hein. Hein. Rappel ah que ouais. c'est ça l'autorité bienveillante selon cette personne. Ces élèves, en tout cas, euh, ils vous aiment, euh, et ça c'est la partie où j'ai versé ma petite larme dans le livre, euh, puisqu'ils ont continué à vous écrire, à vous donner des, des nouvelles, une fois que vous êtes C'est quoi déjà le syndrome de Stockholm <laughs> Ah ouais, moi j'ai entendu parler de ce concept. À chaque fois, les profs, ils ont une carrière où ils ont eu des centaines d'élèves, et ils te sortent les deux aliénés qui pour on sait pas quelle raison les ont trouvés sympas et leur envoie deux textos par an parce qu'ils sont traumatisés d'avoir quitté l'école quoi, non mais vraiment c'est grave. Hein alors, que Les regarde... deux suceurs c'est ça Regardez j'ai mes trois suceurs Elle m'envoie des lettres Vas-y c'est bon Surtout regarde nous Nous on a été des élèves On peut témoigner Regardez notre amour des profs Il est ah encore ouais. là intact Ça ah fait ouais. combien de temps Qu'on n'est plus à l'école Toi et moi au moins une dizaine ah d'années J'en suis encore Regardez. traumatisé hein. On est encore pas bien Soutien aussi quand ils ont appris Que vous aviez un, un cancer oui. Mon qui lui a demandé de Quel style de musique jouait <laughs> Ah ouais Il était ah bien ouais ou pas Trop bien Il était bien ton concert <laughs> J'ai reçu des dizaines de, de messages hein, des uns et des autres me disant ⁇ Il faut vous accrocher, vous n'avez pas le droit de mourir. Euh, vous êtes une battante, vous allez vous en sortir. ⁇ Et à une époque où on critique beaucoup les adolescents, où on explique qu'ils sont très versatiles, etc... ⁇ Ils sont mignons, nous on avait un prof Versatil, malade. Disait... Qu'est-ce qu'elle a contre les versatiles, Nous on avait un prof malade, on disait ⁇ Let's go !⁇ ah ouais réel. Après, après, moi, je me rappelle, il y avait une prof, je crois, qui était morte ou son mari, et en vrai, oui, non, et bien sûr, tout le monde était triste. Et moi, j'étais étonné de m'en battre les couilles. Ça m'avait choqué. J'étais en mode, mais attends, moi, je m'en bats les couilles qu'elle soit crevée. Et tout le monde avait trop le somme. Et je me rappelle, elle dit, mais dis mais est-ce que ça, est-ce est que, est-ce qu'ils font semblant Est-ce que je suis bizarre et Du coup, j'ai fait genre être triste alors que je m'en battais les couilles au le premier degré. Quel bâtard. Non, mais c'est vrai, je me rappelle que ça m'a fait. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire genre. Euh... Ça m'étonne pas vu ton insensibilité. Je sais plus, cas, elle euh... était peut-être malade juste, donc ça va. Ah, je crois peut-être juste de... elle avait eu un cancer et elle était pas crevée, je sais plus. Ah, c'est un petit pas... ah, peu le couple de psychopathes. Hein. Oui, bah. Moi, ouais. je. la connaissais pas, frère. Que... Que... Attends, genre, c'est une prof, je l'aimais pas de toute façon. Ah, voilà, il y a peut-être ça qui joue dans le jugement. Bah oui. Après, ce que t'as pensé, ché Parce que c'est ça aussi. Non, 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 je te jure que non. Non, vraiment pas, vraiment de l'humanité moi j'ai aussi fait l'expérience de leur grande bonté et euh, quand j'étais en chimio ils m'envoyaient des petits messages en me disant ne lâchez pas euh, on vous attend euh, on vous attend après euh, restez là en fait, bah, c'est compte... un chat twitch bah, Si oui. on a une chimio je pense que les gens nous diraient ah, lâchez pas quoi ouais. j'espère hein. on, on vous fera des messages en... ouais. Oubliez pas les subs <laughs> Train de la hype <rire> <rire> Balek, vite fait, oh, ah, vous faites les insensibles, mais je suis sûr que vous serez là. Oh non, c'est horrible! Bon, il y aura des qui t'inquiète, il y aura les deux. Oui, oui. Puis après, on renommera la chaîne Dany sans Rase ou Rase sans Dany. Incroyable. Ce sera beau. Hein. à la hauteur aussi de, de, de ces gamins-là, parce qu'ils existent et qu'on n'en parle pas assez. Exactement. Les bons élèves, en fait, et des gentils. Merci beaucoup, Myriam Meyer. Merci à vous. Euh, et courage, tenez bon. C'est les suceurs du premier rang, ils sont full parasocial. <laughs> J'aime bien l'analyse. Après, il y, y a du parasocial avec attends, les profs, c'est vrai. Les, 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 les suceurs parasociaux de l'école, ils deviennent profs. Ouais. Et les suceurs vrai. parasociaux des chats ils deviennent streamers. Vrai. Mais pour oh... moi, en plus, ils deviennent profs parce qu'ils ont trop aimé l'école, ils n'ont pas envie de la quitter. Gros, quand tu deviens prof, c'est que tu es terrifié de quitter les bancs de l'école. Genre, tu veux continuer ton dream, quoi. Genre, c'est mais... terrifié de Moi, de moi de ça, finir, que je ne comprenais pas dans le fait de vouloir devenir prof. Genre, retourner à l'école encore ah ouais. Avec une envie, moi, c'est de me barrer. Toute ta vie, tu, tu pourrais partir de l'école et tu dis, oh, je vais y retourner dès maintenant. C'est reparti. Allez, let's go. Oh, euh, Après, vous si vous kiffez, votre... tant mieux. Hein. Non, mais je suis sûr qu'il y en a qui, qui ont la passion non, mais, au niveau Mais oui, non, mais c'est ça. Non, et puis aussi, ça dépend des matières que tu de plein de trucs, quoi. Genre, c'est. Il y a des reconversions aussi. Ah bah oui, de toute façon, un bon prof, c'est comme un bon flic. Il démissionne. Il démissionne. Ah, moi j'avais dit ça à PDA, je m'étais fait insulter, je m'en rappelle. <laughs> j'avais dit quand on dit un flic, ça démissionne. Bah pourquoi on dit pas un prof, un bon prof, ça démissionne Ah, oh, mais non Ah, oh, mais non Ah, oh, tu peux pas dire ça Ah, justement, en master philo, prof de lycée, c'était tout, tout mon cauchemar. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Hein pour devenir prof de philo sur YouTube, super. C'est cool. bah, mieux frère, non mais premier oui, degré. Il euh, oui. y a quelqu'un qui a dit j'aime bien qu'à la stand il y a cours mais je peux fumer, c'est ça la vérité gros sur les streams un peu un comme ça. Moi il y a des, des, des contenus prof-corps que je regarde, mais comme j'ai la liberté de jouer à TFT en même temps, de mettre pause, de machin, bah, c'est le meilleur contenu. Bah, c'est là tu disais t'étais contre les gamins quand un téléphone à l'école, mais au final, si on t'avait autorisé à jouer à TFT pendant tes cours Ouais mais j'aurais pas, ouais mais, oui peut-être, mais j'aurais ah. pas si bien appris que ça, je sais pas, j'en sais Ah rien. En vrai, non mais si ça aurait marché pour l'histoire, les trucs comme ça, mais des trucs, les trucs où fallait apprendre par cœur et qui m'emmerdaient, c'est ça la vérité sur ma scolarité. Et je pense que tout le monde est en vrai, je pense que tout le monde est comme ça. Les trucs qui m'emmerdaient, je les apprenais pas quoi. Genre ce qui me paraît être le, quand même le profil le plus commun chez tous les élèves quoi. Genre euh... c'est réel, il y a une meuf de ma classe qui a écrit une fanfic sur la production. Ah oui, mais ça par contre, il y a vraiment des trucs. Hein. C'est pour ça que certains profs qu'on abuse cringe, genre. Cringe amour. mais respecter ce métier qui est hardcore. Mais on n'a pas arrêté de reconnaître mais des oui, trucs depuis tout à l'heure. J'ai jamais profs. été autant pro-prof. Mais on oui, on, genre mais... Sait, on sait que vous faites un métier difficile. Mais non, en plus, on, nous, on sait qu'on serait des profs excellents. Donc on est forcément avec vous. On bah sait oui. qu'on serait des turbo-bons profs. Bah déjà, j ai, j ai, je ne ferai pas en sorte que mes élèves ils écrivent des lignes quand ils disent wesh, ouais, frère. Bah oui, c'est ça. Nous on serait des profs de vous, en fait c'est ça qui vous rend jaloux les profs. Mais la vérité quand que vous les... savez qu'on serait des meilleurs profs que vous. La vérité quand les profs sont sympas, sont les, les profs un peu cool qui se... ils se font grave bâcher par les autres profs, frère. Tu sais t'as vraiment des combats comme ça les profs de bah, droit oui. tardé face aux profs un peu plus euh, gauchistes, sympas. Genre il euh, y a vraiment des bagarres comme ça. Hein. Serait pas des profs mais des potes. Ouais, enfin alors, si je te notais et que je te forçais à venir chaque ouais, heure, j'aurais pas envie d'être mon pote Je te terminerais hein. Ah ouais, je pense que vous ne serez pas heureux. imaginez est-ce qu'ils géraient une... ça comme le chat Twitch Putain, ça filerait oh, droit. Je, je me ferais... je me ferais virer parce que je serais vulgaire. Ah, pas, ça mon pro... Moi, je pense plaisir. que je me ferais terminer à cause de ça. Quand t'es prof, ton seul plaisir, au final, ça devient Mais ça. Oui. Quoi. Bah, oui, ta classe, la... bah, oui, bien sûr. Les sentir à la petite terreur dans leurs yeux, là. Alors, le prochain qui ah, parle, ouais. une heure de colle. Et là, tu les vois, ils se taisent, ils sont. Ah, et moi, le premier truc que je ferais, c'est les exclusions tout le temps. C'est trop efficace, l'exclusion. C'est trop bien. C'est ban. <laughs> Hop. Après faudrait pouvoir mute. En fait, faudrait pouvoir que les élèves ils restent dans la classe mais que tu puisses les mute, genre les baïonner. Mais peut-être que c'est un peu violent de baïonner ah un ouais. enfant. Ouais, non mais c'est bien qu'on soit pas prof je pense finalement. Ouais je pense faut pas qu'on soit prof en fait. Ouais, peut-être <laughs> que c'est le métier qui rend fou en fond en lui-même. Hein. <laughs>